Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser les connaissances de copilote au regard des systèmes d'information géographique et des données géospatiales. Donc, qu'est-ce que copilote? Copilote, on peut le dire, c'est un GPT-like, c'est-à-dire la création de chat GPT. Je crois que la principale différence entre Copilot et ChatGPT, mais à voir si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, c'est que ChatGPT ne va pas chercher sur Internet alors que Copilot, oui. Donc nous allons commencer, nous allons lui poser une question, les questions à Copilot, on va voir comment il répond. Que, première question, signifie le sigle SIG? On va poser une première question, on va voir ce qu'il nous répond. Le sigle SIG peut être sur seul intermédiaire. D'accord que c'est pas ça. Système d'information géographique, donc ça il a bien vu. Et par ailleurs, ce qui est bien aussi sur Copilot et que je ne vois pas souvent sur ChatGPT, c'est qu'il nous met la source des informations qu'il va trouver sur Internet. Très bien. Donc on voit qu'il nous a répondu, qu'il a trouvé la bonne réponse parmi les réponses potentielles. Après, à vous, grâce à vos compétences et vos connaissances, d'être en mesure d'analyser la réponse qui est la plus correcte et d'analyser la véracité de la réponse aussi. Ce n'est pas parce qu'il vous répond quelque chose qu'il dit forcément vrai. Qu'est-ce qu'un logiciel SIG? On ne va pas lui faciliter la tâche, mais on va voir comment il répond. Donc bien, très bien, très bien. Donc voilà, il nous répond. Collecte de données, stockage de données, spatiale, cartographie, visualisation. Donc très bien. On voit les sources, donc où il va les chercher. Ça permet de voir un peu les sites mainstream et ceux qui sont moins. Quels sont les logiciels SIG populaires? Et là, il nous propose des sous-questions. Donc on peut enchaîner par ça. Ça, on va voir ça. Quels sont les logiciels SIG populaires? Populaire. ArcGIS, MapInfo, GeoMedia, AutoCAD Map. Là, on est léger. Là, on est léger, on est borderline. On se demande même si c'est pas du placement de produits déguisé. Parce qu'on voit pas. Ah, si, on voit QGIS, MapInfo, GeoMedia. Bon, ok. J'ai pas vu QGIS. Ouais. GeoMedia, je connaissais pas trop AutoCAD Map. Il y en a d'autres. Ouais, c'est pas fameux. Sur cette question, sur cette réponse-là, on peut liker ou on dislike? On va quand même liker la première. Elle, c'est sûr qu'on like. Très bien. Elle, on peut, alors on peut exporter en quel format? Ah, on peut exporter en Word ou en PDF ou en texte. Très bien. Donc ça, c'est super. Et on peut partager aussi. Quand on partage comment? Ok, on peut partager en iframe. Okay. Donc très bien. Donc qu'est-ce qu'un logiciel SIG? Qu'allons-nous lui poser? Ah. Quelle est la... Peu de gens le savent, la différence entre... Alors on va faire une autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Que là, les géomatiques. Parce que peu de gens le savent, mais il y a une différence entre SIG et géomatique quand même. C'est mieux que l'ensemble des méthodes. Exactement. Donc la géomatique, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ensemble des méthodes qui permet de créer de la donnée SIG, notamment via de la photogrammétrie ou des images aériennes. Alors que les SIG sont les outils de traitement de cette donnée géographique. Donc c'est pas forcément intuitif, pas tout le monde le sait, mais voilà, c'est bien de voir qu'il y a une différence quand même. Donc, traitement des données géographiques, elle s'appuie notamment sur voilà, notre SIG. Donc voilà, en résumé, sont dans le même ce qu'on appelle les géomaticiens. Ok. Qu'allons-nous lui poser comme question? Donc c'est pas mal, c'est bien, on like, on valide la réponse. Qu'allons-nous lui poser comme question? Quels sont les outils de traitement de l'information géographique? C'est pas mal, hein? Copilote, c'est pas mal. On avait vu ChatGPT dans une précédente vidéo. On regarde Copilote. Très bien posé. Ah, je m'attendais vraiment à ce qu'il réponde ça quand même. Hop, des cartes, ouais, c'est l'hygiène qui le produit. Et l'autre géo, je ne connais pas du tout. Alors, on testera, tiens, l'autre géo. Ouais, on apprend des trucs en direct live. Et c'est très bien parce qu'on voit les sources. Donc, site pas très à jour. Attention, il vous présente des sources, il ne vous caractérise pas les sources des données. D'accord? Ça, je peux vous dire, c'est potentiellement plus à jour.
Je ne sais pas, Bing et connais pas. Donc attention aux sources de données aussi qui permettent de caractériser la qualité des réponses, évidemment, mais ça c'est vous qui allez le caractériser, il ne va pas le faire pour vous. Donc on va voir, on va poser une dernière question pour se faire de la pub. Est-ce qu'il va nous citer quelles sont les chaînes YouTube pour apprendre QGIS, pour vraiment essayer qu'il nous sorte quand même, qu'il sorte tutoriel Géo, mais je pense pas qu'il sortira honnêtement. Toi Géo, mais on sait jamais, sur un malentendu, mais je pense pas. Ah là, déjà il galère un peu. AlphaSo, je connais pas du tout. Ah tiens, bah, je vais aller voir. Géosoft, je connais pas du tout. Géomatique agricole, je connais pas du tout. Et voilà, vous voyez, on n'y est pas, c'est dramatique. Est-ce qu'on. Ah d'accord, AlphaSo, okay. Je vois. Donc voilà, c'est le drame, on n'y est pas. Hein. On dislike tout de suite, on dislike tout de suite. Ah, je rigole, même ça c'est bien. Donc voilà pour la vidéo sur Copilot. C'est assez satisfaisant quand même, globalement. On va lui faire une dernière petite question pour voir sur une question technique s'il est capable de répondre. Comment. On va voir s'il arrive à répondre. Il n'a pas cité le site internet de QGIS non plus, ni la chaîne YouTube de QGIS au passage. Comment créer des centroïdes avec. On va vraiment une question technique. On arrêtera là. Ah oui, très bien, donc il est capable de répondre. Donc c'est exactement ce que je voulais voir. Parfait. Ouh, il y a même l'expression derrière. Donc attention, deux réponses, ça c'est magnifique. Soit l'outil de création des centroïdes, soit via les requêtes en ligne de commande. Et là, il nous a mis un petit tutoriel de je sais pas qui, mais très bien. C'est super. Ben voilà, je pense qu'on peut aussi liker la réponse. On voit les sources. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.